Mesdames et messieurs, les autorités sont là, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les autorités sont là, s'il vous plaît. Allô. Nous allons donner juste une minute à la presse pour faire les vues de plan.
OK. Monsieur le directeur de cabinet représentant son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, Madame la consul honoraire du Burkina Faso au Niger, Madame la SP Kona SILS du Comité national du SILS au Niger, Monsieur le représentant du directeur général de l'ACMAD, Monsieur le représentant du directeur général de l'EAMAC, Monsieur le représentant du directeur général de l'ABN, Monsieur le directeur général du Centre régional Agrimet, Monsieur le président de l'Amicale des étudiants au Niger, Mesdames et Messieurs les agents du Centre régional Agrimet, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers récipiendaires, chers invités, Mesdames, Messieurs. Soyez les bienvenus à cette cérémonie de remise de diplôme à la promotion 2018-2020 des étudiants en ingénieurs en hydrologie. Comme le disait le poète Arnaud Botti, la formation est l'essence de tout succès. Et c'est ce que le Burkina Faso vient de faire en envoyant ses étudiants se faire former au centre régional Agrimet. Je vous demande d'applaudir très très fort le Burkina Faso. Pour cette cérémonie, nous aurons quatre interventions. D'abord, l'allocution de bienvenue du directeur Souleymane Ouédraogo, directeur général du centre régional Agrimet. Le mot du professeur Sanoussi Atta, chef du département formation et recherche. Le mot du représentant des étudiants. Il y aura l'allocution du secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso. Et enfin, l'honneur reviendra au directeur de cabinet du ministre d'État pour le discours d'ouverture. Après ces séries de discours, il y aura la remise des diplômes aux récipiendaires, suivi de la remise des cadeaux aux trois premiers de la promotion. Sans plus tarder, sous vos applaudissements, je vais inviter le directeur général du Centre régional Agrimet. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, représentant monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, Madame la consul honoraire du Burkina au Niger, Madame la secrétaire permanente du Kona SILS au Niger, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements frères qui nous font l'honneur d'être là ce matin, Monsieur le Président de l'Amicale des anciens étudiants de l'Agrimet, Mesdames et Messieurs les agents du Centre régional Agrimet, Mesdames et Messieurs les étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Alors, le Centre Agrimet, par ma voix, vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise des diplômes de la promotion 2018-2020 des ingénieurs en hydrologie. Après deux années de formation, les étudiants en hydrologie, vous les voyez ici, ils sont derrière, devant et derrière vous, ils sont en vert, ils sont bien habillés là, hein, et vont dans un instant recevoir leur diplôme qui sanctionne une formation d'ingénieur en hydrologie au centre régional Agrimet à la demande du gouvernement du Burkina Faso. Cette formation s'inscrit dans le mandat du centre régional Agrimet qui, rappelons-le, consiste à former et à informer dans les domaines de la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau, la lutte contre la désertification, le changement climatique, la protection des végétaux et le pastoralisme. Instrument des pays membres du SILS, l'impact du centre Agrimet est visible dans plusieurs secteurs de la vie économique des États membres et de la sous-région à travers la production de l'information, les outils de diagnostic et d'analyse, l'alerte précoce, le suivi agro-pastoral, le bilan alimentaire et les prévisions climatiques. Dans les mêmes pays, le centre Agrimet s'investit également dans le renforcement des capacités techniques, des services de la météorologie,
de la protection des végétaux, de l'hydrologie, de l'agriculture et de l'environnement. La présente cérémonie marque la fin de la formation du cycle d'ingénieurs en hydrologie de 17 étudiants, dont 15 entièrement financés par le gouvernement du Burkina Faso et 2 privés. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'assainissement du Burkina, transmettez la reconnaissance et la gratitude du CILS et particulièrement du Centre régional Agrimet à Monsieur le ministre de l'Eau et de l'assainissement de Burkina Faso pour la marque de confiance placée au Centre régional Agrimet pour la formation de ses cadres. Nous avons été particulièrement honorés par les missions de suivi de cette formation. En rappel, Monsieur le ministre s'est personnellement déplacé au Centre Agrimet ici à Niamey en juillet 2018, accompagné d'une forte délégation pour échanger avec les étudiants et les enseignants et s'enquérir de l'état d'avancement de la formation, témoignant ainsi tout l'intérêt qu'il accorde à cette formation. Au regard de cette expérience très enrichissante du Burkina Faso avec le Centre Agrimet, je voudrais lancer un appel aux pays membres du CILS et de la CDAO, à commencer par le Niger, qui accueille le centre, à emboîter le pas pour faire du Centre régional Agrimet le centre de formation de leur cadre dans ces domaines de compétences. M'adressant aux nouveaux diplômés, je vous félicite pour les résultats obtenus et vous exhorte à mettre en application les connaissances acquises durant votre formation. Je vous invite aussi à promouvoir la culture de l'excellence durant votre carrière professionnelle, car vos succès seront aussi ceux du Centre régional Agrimet et de ceux-là qui ont cru à la formation comme moyen de développement. Je saisis cette opportunité pour remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers du CILS pour leur soutien financier important pour l'organisation des formations diplômantes et continues au niveau du Centre Agrimet. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux autorités nigériennes et au peuple nigérien pour toutes les facilités accordées au Centre Agrimet dans le cadre de ses missions. Je voudrais, avant de terminer mon propos, rendre un hommage mérité à l'ensemble du corps enseignant pour leur sens élevé de responsabilité et la qualité de l'enseignement dispensé. Je voudrais, une fois de plus, remercier tous ceux-là qui nous ont fait l'honneur ce matin d'être présents à cette cérémonie de sortie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter le professeur Sanusi Atta. Merci. Ok, merci. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre d'État, ministre de la Culture et de l'Élevage du Niger, Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'assainissement du Burkina Faso, Madame la consul honoraire, la consul générale honoraire du Burkina Faso au Niger, Madame la SP Conacyl du Niger, Monsieur le directeur général du Centre régional Agrimet, chers invités, chers collègues, chers étudiants, chers récipiendaires, au nom de tous mes collègues du Centre régional Agrimet, je vous souhaite la bienvenue. Nous célébrons aujourd'hui la sortie de la 4e promotion d'ingénieurs en hydrologie, promotion 2018-2020. Comme l'a rappelé le directeur général du Centre régional Agrimet, il s'agit d'une formation qui a été organisée à la demande du Burkina Faso. En plus des 15 étudiants du Burkina Faso, il y a également 2 étudiants privés. Alors, parmi l'effectif de 17 étudiants, il y a 2 femmes. Je voudrais rappeler que le ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso avait déjà financé une promotion de 19 techniciens supérieurs en hydrologie pendant la période 2009-2011. Il a également financé la formation de 10 techniciens supérieurs en hydrologie
qui sont sortis le 29 octobre 2019. L'objectif de cette formation d'ingénieurs en hydrologie est de doter les services techniques des pays de cadres compétents sur les ressources en eau en matière de suivi quantitatif et qualitatif, de mobilisation et de valorisation, ainsi que de la gestion intégrée de ressources en eau. Alors, au niveau de la formation elle-même, normalement, la durée de formation pour le cycle d'ingénieur est de 3 ans. Cependant, à la demande du Burkina Faso, qui a recruté des candidats de niveau licence, la formation a été ajustée donc à 2 ans. Donc, c'est un exercice que le centre régional Agrimet a réalisé. La formation a démarré le 12 février 2018. Elle a été constituée de cours théoriques et pratiques, de sorties terrain notamment sur le fleuve Niger, avec un stage de 9 semaines et un mémoire de fin d'études de 6 mois à la fin de la 2e année. Au cours de cette formation, l'accent a été mis sur la pratique afin de former des cadres directement opérationnels. Les cours ont été assurés par les experts des différents départements et unités du centre régional Agrimet, les anciens chercheurs de l'Université Abdou Moumouni, les collègues de l'autorité du bassin du Niger, ainsi que les cadres des services techniques, notamment du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. Je voudrais vraiment féliciter tous les collègues des différents départements et des autres institutions, ainsi que les collègues des unités du centre régional Agrimet qui nous ont appuyés dans le cadre de cette formation. Au niveau des mémoires, les thèmes ont porté, entre autres, sur l'évolution de la ressource en eau de surface dans le bassin versant des fleuves comme le Nakambe, en utilisant des scénarios climatiques, l'impact du climat et de l'occupation du sol sur les inondations pluviales dans le bassin versant du Kou au Burkina Faso, notamment le cas de la ville de Bobo-Dioulasso, la caractérisation hydrochimique des aquifères en zone de socle, cas du plateau central du Burkina Faso, etc. En termes de résultats, les étudiants ont produit de mémoires de très grande qualité qui traduisent la formation qu'ils ont reçue. À titre d'indicatif, la moyenne des mémoires est de 15 sur 20. Et nous avons enregistré un étudiant qui a un mémoire exceptionnel qui lui a valu la note de 17 sur 20. Et que je demande d'applaudir. Sur la moyenne annuelle des 2 années, nous avons enregistré 2 étudiants qui ont eu une moyenne supérieure à 16 sur 20, ce qui correspond à la mention très bien. Alors, en termes de tâches qui sera exécutée par les diplômés, ces ingénieurs sont chargés, entre autres, de la conception des réseaux de collecte des données hydrologiques et de leur gestion, du traitement et de la diffusion de l'information hydrologique, de la modélisation de l'évolution de la qualité des ressources en eau pour les prévisions hydrologiques, de la gestion informatisée des banques de données hydrologiques, de la planification et de la gestion des ressources en eau, du calcul hydrologique pour la conception des aménagements hydrauliques, de la protection des ressources en eau contre la surexploitation et les pollutions, etc. Je voudrais vraiment terminer en remerciant le directeur de cabinet représentant son Excellence le ministre d'État pour avoir accepté de présider la présente cérémonie. Je voudrais encore remercier le ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso pour avoir fait confiance au centre régional Agrimet pour la formation de ces cadres. Je remercie également le ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement et de l'Assainissement du Niger pour sa participation à la présente cérémonie. Je remercie aussi la consul honoraire du Burkina Faso pour l'honneur qu'elle nous a fait d'être présente à cette cérémonie. Mes remerciements s'adressent également à notre directeur général qui nous a toujours soutenus dans le cadre donc des formations. Je voudrais remercier tous les collègues, tous les intervenants, et féliciter particulièrement Dr Bazier Pibnia qui a conduit cette formation. Enfin, je félicite tous les étudiants pour leur succès et leur souhaite une bonne carrière. Je vous remercie de votre aimable attention. Professeur, j'invite à présent Madame Aïssata, la représentante de la promotion, pour son mot. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Monsieur le directeur du cabinet représentant CIM, ministère d'État, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, Madame la consul honoraire du Burkina Faso au Niger, Madame la secrétaire permanente du comité national du SILS au Niger, Monsieur le directeur général du centre régional Agrimat, Monsieur le président de l'Amicale des étudiants, Mesdames et Messieurs les agents du centre régional Agrimat, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers récipiendaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Selon un adage burkinabé, ce n'est pas le puits qui est profond, mais c'est la corde qui est courte. Il serait ainsi prétentieux d'affirmer que nous avons reçu toutes les connaissances dans le domaine de l'hydrologie, mais les compétences acquises contribueront sans doute à relever les défis liés à l'eau dans nos pays respectifs. L'hydrologie, dans la conception générale des profanes, se résume aux mesures des débits des au débit des cours d'eau. Cependant, notre parcours académique au cours des deux dernières années nous a prouvé le contraire. En effet, nous avons été outillés pour relever les défis du 21e siècle, tels que les connaissances quantitatives et qualitatives des eaux de surface et souterraines, la gestion intégrée des ressources en eau, les effets du changement climatique sur les ressources en eau et comment y faire face. Ainsi, nous souhaitons remercier si aimablement tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de notre formation. Nous tenons d'abord à remercier le ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers le secrétaire permanent de l'AGI qui n'a ménagé aucun effort pour le financement et le suivi de notre formation. Les efforts de l'administration du centre régional Agrimat sont à un degré de satisfaction qui nous laisse sans voix. Merci pour le travail abattu. Nous aimerions avant tout vous exprimer du fond du cœur notre plus grande satisfaction à la prise de nos diplômes, car ce n'était pas gagné d'avance face aux différentes contraintes qui trouvaient au fur et à mesure de résolution. À nos chers camarades, nouveaux ingénieurs du génie rural, nos vives félicitations pour ce laborieux et magnifique défi que nous avons su ardemment relever et hautement gagner. Le diplôme d'ingénieur en hydrologie. Nous voyons d'ailleurs se dessiner de la souris de satisfaction. C'est amplement mérité. Les divers sacrifices en valaient le coup, car la vie, en quelque sorte, est un pèlerinage. Le Niger, ce pays hospitalier qui nous a accueillis, notre satisfaction a été également le fruit de son soutien. Nous remercions par la même occasion le personnel du centre régional Agrimat, le corps enseignant qui ont voulu partager leurs connaissances avec nous et qui ont efficacement gagné jusqu'à ce jour. Une pensée toute particulière à l'endroit de nos familles respectives pour nous avoir soutenus jusqu'au dénouement final. Soyez-en sûrs, la capacité d'infiltration a été dépassée. Le ruissellement suivra, même s'il sera soumis aux contraintes naturelles. En effet, nous devons trouver notre place dans un milieu où l'hydrologie se résume à estimer les débits des cours d'eau. La ressource en eau est le domaine de compétence de l'hydrologue. C'est notre sujet d'étude, c'est sa raison d'être. Pour l'heure, nous sommes tous heureux du moment présent et de la réussite de la quasi-totalité de la promotion. Quasi-totalité, car c'est une question de temps. Une de nos camarades, lors des études de mémoire, a été affectée d'un deuil. Son fils a été arraché à notre affection, car là l'accueil, qu'il apporte du réconfort et la joie de la maternité à notre sœur. Nous retirons nos plus vifs remerciements au centre régional Agrimat et nous leur assurons déjà qu'ils peuvent être fiers de nous, car l'image du centre sera élevée partout où nous serons à travers notre compétence et notre dévouement personnel. Pour finir, Mesdames et Messieurs, nous tenons à dire
que ce n'est pas parce qu'on la boit, qu'on se lave avec, que l'eau, c'est l'eau. Elle nous parle et nous guide. Sur ce, nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup, madame, pour ces mots. Nous allons à présent écouter le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement du Burkina. Merci. Okay. Bonjour. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, patron de la cérémonie. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Niger. Madame la consul générale honoraire du Burkina Faso au Niger. Monsieur le directeur général du centre régional Agrimet. Mesdames et messieurs, en vos grands titres, tous respectés, éminents professeurs du centre régional Agrimet, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance marquant la sortie de la promotion 2018-2020 des ingénieurs hydrologues du centre régional Agrimet. Je voudrais avant tout propos adresser mes remerciements et toutes mes félicitations aux enseignants et à toute l'administration qui ont mené à bien la lourde mission qui leur était assignée. Grâce à votre savoir-faire et être, abnégation et vos efforts conjugués, nous disposons aujourd'hui des dynamiques ingénieurs prêts à œuvrer pour le développement de nos pays partout où ils seront appelés. Je tiens à vous dire la fierté que nous avons, ma délégation et moi, à participer à cette cérémonie et le plaisir que nous avons à nous associer à cette joie commune. Je félicite chaleureusement les nouveaux diplômés. À tous, je souhaite de réaliser avec succès vos efforts, vos projets professionnels pour lesquels, je le sais, le centre régional Agrimet vous a bien préparé. Une cérémonie de remise de diplômes est toujours un événement singulier pour les étudiants, bien sûr, qui ont su offrir le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir leur diplôme, mais aussi dans la vie d'un établissement qui voit là grandir sa grande famille d'anciens élèves. Oui, vous êtes à présent, chers étudiants et jeunes professionnels, non seulement les lauréats du centre régional Agrimet, mais aussi de véritables ambassadeurs de l'école, des représentants de la maison qui vous a formé. On le dit souvent tout au long de la carrière professionnelle d'un homme, l'institution où nous avons fait nos classes demeure une référence qui nous accompagne et d'où nous puisons souvent nos ressources. Ces ressources se trouvent dans le souvenir de tel ou tel enseignement, de tel ou tel travail qui vous auront demandé beaucoup d'engagement et dont vous réaliserez assez vite l'importance quand vous vous sentirez habile et serein à l'exécution d'un travail pour lequel vous avez été très bien formé. Ces ressources et cette force, vous les puiserez aussi, j'en suis certain, dans le souvenir de tous ceux qui ont accompagné votre réussite, les équipes enseignantes et administratives, mais aussi vos camarades, ceux qui ont planché à vos côtés et qui vous entourent aujourd'hui. Vous les retrouverez, ces camarades de promotion, ici, ailleurs, partout dans le monde. Chers étudiants, nous vivons dans un monde complexe et incertain. L'économie traverse des cycles et des crises qu'il faut surmonter collectivement. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute. Vous sentirez la fatigue et serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, pensez à cette cérémonie et vous trouverez la force, j'en suis sûr, de relever tous les défis qui se présentent à vous. Cette cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grandement les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Mesdames et messieurs, il n'est pas de trop de rappeler ici que le centre régional Agrimet est une référence dans la sous-région, dans le domaine de la formation des ingénieurs hydrologues, techniciens supérieurs et bien d'autres domaines aussi pertinents. Notre présence à cette cérémonie traduit manifestement
l'importance de cette école pour la sous-région et aussi la valeur que nous portons à la formation de nos jeunes diplômés et à leur contribution pour relever les défis du domaine dans lequel ils ont été formés. Chers étudiants, tous nos vœux de réussite professionnelle vous accompagnent et que cela vous fasse oublier les souffrances endurées, les sacrifices consentis pour l'obtention de ce parchemin. Félicitations et que votre ardeur dans les missions qui vous seront confiées vous ouvre les perspectives toujours meilleures. Vive la coopération Sud-Sud. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sori, SG du ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina. Nous allons à présent écouter M. Mamadou Aoudi Diallo, le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, madame le consul honoraire du Burkina Faso au Niger, madame la secrétaire permanente de la Commission nationale du CILS au Niger, monsieur le directeur général du Centre régional Agrimet, messieurs les représentants des établissements frères du CRA, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs le cadre académique du Centre régional Agrimet, monsieur le président de l'Amicale des anciens étudiants du Centre régional Agrimet, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les récipiendaires, distingués invités en vos divers titres, grades et qualités. Je suis particulièrement honoré de me retrouver parmi vous pour présider au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, la cérémonie de ce jour au Centre régional Agrimet, qui marque la sortie des ingénieurs en hydrologie promotion 2018-2020. Je voudrais donc, en cette heureuse circonstance, remercier tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie qui revêt un intérêt spécifique pour le pays du Sahel. Je voudrais également, au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, vous présenter, et à mon nom personnel, les vœux de nouvel an. Nous sommes le 31 janvier, donc je crois que les vœux sont toujours recevables. De santé, de bonheur et aussi d'excellence, comme nous sommes dans un centre d'excellence au niveau sous-régional et pratiquement africain. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la question de l'eau constitue l'une des principales préoccupations des pays du Sahel, qui est l'une des régions les plus vulnérables du monde face au changement et à la variabilité climatique. La gestion rationnelle de l'eau est donc un des éléments clés de la résilience au Sahel. Elle permet de satisfaire les besoins de consommation courante des populations, de sécuriser les productions agricoles et animales, ainsi que d'accroître leur productivité. Cette gestion rationnelle de l'eau se révèle comme la clé du développement au Sahel. Et comme le soulignait José Gaziano da Silva, ancien directeur général de la FAO, elle permettrait de désamorcer l'engrenage des cycles de sécurité alimentaire liées aux conditions météorologiques qui ont affligé la région et les communautés rurales ces dernières années.
outre la nécessité de mieux quantifier et de cartographier les ressources en eau, il est aussi indispensable d'améliorer les dispositifs de gouvernance à tous les niveaux, de réduire le risque de surexploitation et d'assurer une bonne allocation entre toutes les catégories d'utilisateurs. À ce niveau, vous comprendrez aisément qu'il soit impératif de disposer de ressources humaines en quantité, mais surtout bien formées et conscientes de la problématique dans le Sahel, afin de contribuer valablement à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des politiques en matière de ressources en eau. Il est particulièrement heureux de constater que le Centre régional Agrimet s'inscrit parfaitement dans ce créneau à travers notamment ses programmes de formation et d'information pour le développement de la sous-région ouest-africaine. C'est ainsi qu'il s'affirme de plus en plus comme un centre d'excellence et de référence incontournable dans ce domaine de l'information, mais aussi en matière de la formation sur la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau et la lutte contre la désertification et le changement climatique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le centre s'est distingué aussi bien dans le renforcement des capacités techniques des services nationaux et des projets de développement que dans celui des organisations non gouvernementales de l'ensemble des pays du CILS et de la CEDEAO. C'est ainsi également que de 1975 à ce jour, elle a produit plus de 1500 diplômés et assuré la formation continue de plus de 9000 cadres de conception et d'exécution, dont l'amélioration du savoir et du savoir-faire contribue à améliorer davantage le bien-être des populations sahéliennes. Ces résultats probants sont aussi le fruit de la volonté politique affirmée des États membres du CILS et des partenaires techniques et financiers qui se sont mobilisés dans la durée pour créer les conditions favorables à cet effet. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la fin du cycle de formation de 15 ingénieurs en hydrologie entièrement financé par le gouvernement du Burkina Faso. Il vous souviendra que le gouvernement du Burkina Faso avait déjà financé la formation au Centre régional Agrimet d'une promotion de 19 techniciens supérieurs en hydrologie au cours de la période 2009-2011 qui a été suivie de celle de 10 techniciens supérieurs en hydrologie parmi les 29 diplômés dont la sortie a été célébrée le 29 octobre dernier. C'est donc le lieu d'exprimer toute notre gratitude et nos vifs remerciements aux autorités des pays membres du CILS et particulièrement au gouvernement du Burkina Faso pour la confiance placée en notre institution commune afin d'assurer la formation et le recyclage des cadres de ce secteur. C'est aussi une occasion pour faire un plaidoyer des plus insistants auprès de l'ensemble des pays membres du CILS et de la CEDEAO pour un recours systématique au Centre régional Agrimet en matière de formation et de recyclage des cadres comme a bien voulu le faire le Burkina Faso. Ceci représente une opportunité pour la recherche de financements bilatéraux au profit du Centre, mais aussi et surtout un moyen de mutualiser les efforts et les ressources pour créer une masse critique de compétences en ressources humaines et en information au Sahel en vue de faire face efficacement aux problématiques du changement climatique. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, je voudrais vous féliciter pour le sacrifice accompli tout au long de votre cycle de formation et vous exhorter à œuvrer dorénavant à la mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant votre formation. Je ne doute point que vous sauriez faire la différence sur le terrain grâce non seulement à la qualité de la formation que vous avez reçue au Centre régional Agrimet, mais aussi au savoir-être que vous avez développé au contact de vos formateurs. Il vous reste ainsi à gagner la confiance des populations sahéliennes et ouest-africaines en accomplissant votre noble mission, c'est-à-dire la satisfaction de vos administrations respectives et des populations bénéficiaires de vos prestations. Mesdames et messieurs, les résultats que nous célébrons aujourd'hui sont aussi, vous en conviendrez,
le fruit des efforts importants consentis par vos formateurs. Je tiens ici à les remercier solennellement pour la qualité des enseignements dispensés et pour leur disponibilité. Je voudrais aussi, avant de terminer, d'une part, exprimer toute notre gratitude aux partenaires techniques et financiers qui soutiennent le Centre régional Agrimet et d'autre part, réitérer les félicitations du ministre d'État et les miennes aux nouveaux diplômés et leur souhaiter un bon retour dans leur pays respectif. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Nous allons à présent procéder à la remise des diplômes. Mais j'annonce que ce n'est pas par ordre de mérite. Nous allons commencer par monsieur Baga Wenzoudou Amédé, s'il est dans la salle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Kabouré Haruna, l'attestation sera remise par le SIG du ministère de l'eau et de l'assainissement du Niger. Et de l'hydraulique et de l'assainissement du Niger. Monsieur Bonkundu Donatien. Le diplôme sera remis par le SIG, cette fois-ci, du ministère de l'eau et de l'assainissement du Burkina. Monsieur Samadoulougou Ousmane. Le diplôme sera remis par le directeur général du centre régional Agrimet. Pas celui-ci. Pas celui-ci, c'est un Samadoulougou. Ah non, 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 parce que lui, là, je ne peux pas lui remettre son diplôme. Non, c'est trop l'honoré. Ok. Monsieur Sawadogo Boris, la consul honoraire générale du Burkina Faso va remettre le diplôme. Mademoiselle Bougna Aissata. Le diplôme sera remis par la SP Conacyt. Oui. Monsieur Tabsoba Mahamadi. J'invite M. Bingdoré Jean-Mathieu à remettre le diplôme. M. Barou Ali. M. Bassolé va remettre le diplôme.
Monsieur Neya Rodriguez. Le diplôme sera remis par le représentant de l'ABN. Rodrigue. Monsieur Savadogo Youssoufou, le représentant du directeur général de l'EAMAC, va remettre le diplôme. Monsieur Savadogo Diakalia, le président de l'amicale des anciens étudiants, va remettre. Monsieur Dabiré Namoun Welbe. C'est bon? Le diplôme sera remis par Madame Aline. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Ouedraogo Manega Wene Joseph. Cette fois-ci, c'est bien clair. Le diplôme sera remis par Monsieur Soumaïla. Monsieur Nebié Gaston Cyril. Le représentant du directeur général de l'EAMAC. Monsieur Somda Dioviel Dominique. Le professeur Atta va remettre le diplôme. Professeur Atta. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons à présent procéder à la remise des cadeaux pour les trois lauréats. Mais bien avant, la promotion a décidé d'offrir deux cadeaux à deux personnes qui ont beaucoup contribué à la réussite de leur formation. Donc, pour cela, je vais inviter madame et le délégué. Ils vont dire à qui ces cadeaux sont offerts. Merci. Bonjour, merci. Nous tenons spécialement à offrir un présent à deux personnes qui nous ont soutenus tout au long de cette formation. Et cela est un signe, est une image qui traduit en réalité notre reconnaissance. C'est vraiment peu, car nous ne pouvons pas ici traduire ce qu'ils nous ont permis, en quel sens ils nous ont permis. Mais, avec cette cérémonie, nous tenons à marquer cette cérémonie de cette remise. Premièrement, nous allons inviter notre père, notre conseiller, notre éducateur, notre guide, Docteur Bazier. Voilà, c'est pas qui voilà. Allez-y, madame.
Oh, ici aussi. Ah, c'est trop. Donc, il s'agit ici d'un pain. Et en plus, nous avons voulu coucher sur un tableau nos émotions. Et cela se traduit, votre humanisme touche, votre simplicité attire, la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Merci, docteur Bazé. La deuxième personne, il s'agit de l'assistant de Dr Bazier, Monsieur Labaran. Merci à vous tous pour le soutien. Merci et merci. Merci beaucoup, chers étudiants, chers récipiendaires, pour cette marque que vous venez de faire à nos deux collègues. Nous allons à présent procéder à la remise des cadeaux aux trois lauréats. Nous allons commencer par le troisième prix. Il s'agit de M. Kabore Haruna. J'invite le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger pour offrir ce cadeau. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le deuxième prix revient à M. Tapsoba Mamadi. Nous allons inviter le SG du ministère de l'eau de l'assainissement du Burkina Faso.
enfin le premier prix. Malheureusement, c'est pas une dame. Monsieur Baga Wenzoudou Amédé. J'invite le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, à remettre ce cadeau. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Nous sommes à la fin de cette cérémonie de remise des diplômes à nos ingénieurs. Nous allons à présent inviter la promotion plus les autorités pour une photo de famille. S'il vous plaît. Merci, nous sommes à la fin. Oh, mais ça sera devant le truc. Nous remercions tous les membres pour votre participation. Merci.